Que tous les autres, bah, tous mais ensemble. Ça, je suis bien placée pour le savoir, mais pour des raisons tout à fait personnelles. Mais bien évidemment, mais en même temps, il y a de la place pour tout le monde et puis non, la... et pour les médiocres aussi. Non, ça veut dire que la place pour tout le monde, c'est si vous avez une émission. Quand on est journaliste, je ne suis pas moi. Ah, non, non. Non, je veux dire, non, mais j'ai cherché à savoir ce qui se passe dans la communauté. Est-ce que vous avez été cherché pour quelqu'un pour divulguer votre émission? Est-ce que quelqu'un l'a fait gratuitement? Chacun d'entre nous. Non, c'est vous qui connaissez peut-être pas les contours de l'histoire, mais c'est pas vraiment gratuitement, c'est des copains. Amandu, tu es bien placé pour savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui fasse grand-chose gratuitement, dans les deux sens du terme. Nous sommes obligés de donner... pour avoir ou pour ne pas avoir, parce que nous avons par exemple filmé au ranch de Manuel au moins une cinquantaine d'heures. La dernière fête qu'on a fait, donc il y a énormément d'heures. Il y a eu deux jours de fête entre le festival et puis la soirée. Si vous permettez, qu'est-ce qui est le plus appréciable sur ce site? Est-ce que ce sont les images ou c'est le contenu? Est-ce que c'est ce qui est écrit ou c'est ce qu'on peut voir? Sincèrement. Oui, moi je pense que le responsable et l'utilisateur. Voilà, moi je vais en parler en tant qu'utilisateur. Moi je pense que le contenu total est correct. Moi ça m'intéresse les reportages, l'ensemble. Parce que j'ai vu hier soir quand je suis rentré, pourtant je suis rentré très tard, enfin ce matin plutôt. Je suis allé sur ontogarde.com quand je suis arrivé à la maison et j'ai vu des vidéos, par exemple, de la foire de Paris. La foire de Paris, j'y suis jamais allé. J'ai jamais mis les pieds. Et puis je suis arrivé. Donc c'est formateur, c'est instructif. C'est quand même intéressant. On ne retrouve pas que du travail sur les associations. On trouve des reportages sur les régions au Portugal. On trouve des reportages sur les régions en France. On trouve des reportages sur des sorties, des concentrations moto ou des... On trouve de tout. Donc je pense qu'en passant par son site, on peut retrouver des vidéos de ce qu'on veut sur Internet. Bien, et voilà. Avant qu'on passe à la musique. Disons que nous avons couvert plus de la moitié du Portugal en images. Ça veut dire, pas en qualité professionnelle, mais en qualité vidéo, utilisable et regardable sur Internet. Plus de moitié de Portugal, tous les grands monuments portugais, ou pratiquement tous. Tous les villages, on va dans chaque village, même toutes les pierres, toutes les fontaines. Les villages où on n'irait pas, ben on peut les retrouver sur Internet. Et bien écoutez, sur ces paroles, on va aller en musique tout de suite. Anne-Rite ou Amour et Poder. C'est parti. Là, sans rigoler, je prends très au sérieux le travail qui est consulté par des milliers de millions de personnes, n'est-ce pas? Donc on va continuer un petit peu pour comprendre la problématique et surtout les enjeux de ce site, s'il en a. Donc on se demandait tout à l'heure quelles étaient les relations, si ça existait, des relations entre les autres médias. Je vais citer Radio Alf, les journaux pour la communauté portugaise et autres, les journaux français. Je ne sais pas quelles sont les relations que vous avez avec les médias en général. Avec les radios comme la vôtre, les radios associatives assez bonnes, avec Radio... Il y en a d'autres. Hein. Radio Anguin, il y a RGB, il y a Radio Arco-Íris en Orléans, il y a Radio Dijon, il y a... Il y a la radio Vexin aussi avec Monsieur Tine. Non, on n'a pas encore été. C'est le soir, ça peut être sympathique. Oui, mais certains, je ne vais préciser qui, mais vous parlez de la même mission. Oui. Ils se rappellent de nous quand ils ont besoin de nos services. Vous savez, de temps en temps, il faut. Oui, mais nous sommes habitués à donner. Nous donnons tout le temps, nous sommes obligés de travailler Quand on donne, on n'attend rien.
Non, non, oui, non, je veux dire, si, non, non, quand on donne une fois, deux fois, on attendra dans le temps quelque chose. Je veux dire, on attend sans le dire, mais quand les gens nous invitent pour se voir à eux-mêmes de l'autre côté de la ligne, je veux dire, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après, à un moment donné... Juste pour rigoler un petit peu, on me voit, moi, dans vos films. Absolument, absolument. Ah, oui. Et pourtant, je ne suis pas du tout photogénique, hein. J'imagine que ça doit être un désastre. Pas d'opinion, vous votre mari aurait pu être fâché avec moi. Il ne va pas se fâcher pour si peu, vous en faites pas. Dans 3 minutes, on passera à la revue de presse, mais on va continuer un petit peu sur la foulée. Moi, j'avais une petite question pour Amand, concernant donc le site. Web TV, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que... Tu as l'intention de créer une... Non, c'est déjà une Web TV quand tu regardes des images qui passent par le net. Ouais. Je veux dire, on n'a pas encore trouvé un nom plus adéquat que Web TV. Ça veut dire que nous sommes une Web TV. Ça veut Mais dire... là, aujourd'hui, il n'y a aucun direct qui est... Non, en Internet, à part les grands concerts, parce qu'ils ont des gros moyens techniques sur YouTube, tu as déjà des concerts qui passent en direct. Mais probablement dans l'avenir proche... Je pense que dans moins de 2 ans, on pourra faire du réel direct via Internet et même avoir une qualité aussi bonne, voire mieux que la télé. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose... En définition, le souci, c'est quoi? C'est les réseaux téléphoniques qui sont pas assez puissants, peut-être pour avoir assez de débit pour pouvoir créer des émissions partout. Il faut déjà un ordinateur avec un bon accès à Internet. Ça veut dire dans les salles où nous travaillons, c'est pas toujours le cas. Les clés 4e génération à 3e génération, elles marchent quand elles veulent et pas partout. Ça veut dire que ça va mettre 1 ou 2 ans, quand on regarde les progrès techniques faits dans l'informatique et avec Internet, on peut s'attendre que dans 2 ans, on viendra à une chaîne de télévision. On peut faire ici cette émission en direct. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont nous regarder partout dans le monde en direct. C'est intéressant. Messieurs, il est 10h59, donc dans quelques instants, on va passer au journal. J'espère que Cindy est prête. Pas journal. Oui, aujourd'hui, c'est bon journal, exactement. Donc, on a tout changé pour cette émission spéciale. Donc, on va faire une petite revue de presse dans quelques secondes, dès que Cindy sera installée à son poste. Ici, c'est du live jusqu'à 13h. Donc, Cindy, c'est parti. Il est 10h59. Revue de presse par Cindy Polaina. Donc, c'est la revue de presse qui fait vraiment un peu... C'est tristouné. Hein. Tire le pied du chão, galera, vamos agitar. Tire le pied du chão, galera, vamos agitar. Cante com a gente, deixa a poeira voar. Cante com a gente, deixa a poeira voar. Tire le pied du chão, galera.